Hello, c'est Namiria Alpha. Bah écoutez, je suis en train de chercher les produits domestiques. Je vais juste monter sur cette pharmacie, hein. Elle m'a l'air assez simple. C'est la troisième fois que je la fouille. Pas que je fasse n'importe quoi non plus. Allez, 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 hop. Voilà. Voilà. Espérons qu'il n'y a pas trop de... Et B... Attends, c'est à bouffer les enfants. Bah, c'est pas grave. Alors... Salut quelqu'un. Il y a plein de matériel à fouiller, c'est génial. Alors, pour des chimiques, café... Bon. Ok, alcool. Ok, ici normalement c'est tout bon. Bonjour. Non. Voilà, produit. Plus que deux à trouver. Parfait. Oh là là. Il y a à trop ramasser ici, franchement. C'est génial. Allez. Ça, c'est en dessous. Bon, ça va. Autrement, il n'y a rien d'autre. Bah, vraiment pas. Coucou, il y a quelqu'un? Ah bah non. Il n'y a plus personne depuis que j'ai tout nettoyé. Ok. Voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a juste éventuellement ici. Derrière. Ok. Ensuite, alors, carte. Je vais aller voir dans les bâtiments, en fait. C'est sûr qu'il y en a plein, en fait. Je vais faire des tours. Ok, par là. Bah, tu vas où? Mais... Bon, tant pis. Ce sera vraiment l'épisode de exploration. Oh. Wow.
Et voilà. Plus qu'un. Plus que un. Bon. Vas-y. Ouh! Ça va mieux? Tu t'es calmé? Non mais... bon, tant pis. Éventuellement là-haut. Là. Là, il n'y a rien. Oh, cool. Voilà. Bon, des clous. Mon copain qui vient me dire bonjour. Bah tu viens? Allez, viens. Hop, 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 hop. Pardon, c'était méchant de ma part. Très 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 méchant. Oh. Ah, ça va être difficile là. Hein. Bien joué. Voilà. On se détend. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alarme de merde. Bon. Wow. Bah alors, y a quoi dedans? Je me demande. Bon, bref. Ah, un câble. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, à part un gros. Calme.
Mais, eh oh. Hop, ça là. Calme. Oula. Mais oh. Il y en a marre à la fin. Oh. Ah, c'est pas vrai. Merde. Voilà. Mais merde! Bravo! Ah ouais! Mais... Tu vas te détendre à la fin! Wow! Wow! Ah, c'est pas vrai. Voilà. Fermé, hein. Wow. Je peux la fermer l'alarme. Oh là là. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai, c'est où cette alarme? Ah, ça m'énerve.
vraiment en bas ou c'est plutôt en haut? Non mais... J'ai beau regarder... Il y en a marre à la fin, hein. Bon. Ils vont tirer plus haut, mais... Attends. Oh putain. Bon, je vois que c'est pas ici l'alarme, hein. Pas grave. Ah, c'est chiant. D'accord. Bah voilà. Ah. Ouvrez. Fermé. Ça sert à rien en fait le truc. Mince alors. Bah où je suis ressorti moi? Sérieux. Bon bah écoutez, je vais ramener ça et puis ça c'est bon. Autrement il y a quoi? Il y a un truc plus haut peut-être éventuellement. J'ai pas regardé encore. Et aussi une ouverture éventuellement. Ah bah. Ok. Je découvre le jeu. Après 17 heures de jeu, je découvre toujours. J'en ai une chez plus 10, hein, franchement ces trucs. Bon. Je me casse. Franchement, c'est pas du tout rassurant. Au revoir, merci pour tout. Non, non. Quoi encore? Oh, c'est pas vrai. En bas. Waouh, vous travaillez avec elle, pas vrai? Bah pardon, travailler avec qui? Jade Aldemir, le scorpion. Bon sang, elle est trop géniale. Elle,
C'est pour elle que je suis venue à Aran. Et venue pour voir Jade? Waouh! Vous l'appelez par son prénom? C'est... waouh! Je deviendrai dingue! Mais... ouais... elle devait participer au grand jeu, vous savez? Ah, je savais pas. Ouais, elle est trop forte en kickboxing. On disait d'elle que c'était Kung Li en version féminine. C'est grâce à elle que j'ai commencé l'entraînement. Vous voyez? Je voulais être comme elle. Et puis, mon père nous a acheté des tickets pour les jeux, à ma sœur et moi, comme cadeau pour mon diplôme. Et on est venu. Ma sœur... juste après, les sirènes se sont déclenchées et les soldats sont arrivés dans les rues. On essayait de trouver un abri et elle a trébuché. Je m'en suis rendu compte qu'après quelques secondes, parce que je continuais à courir et qu'elle n'a pas fait de bruit, ça lui a coupé la respiration. Et puis j'ai réalisé qu'elle était plus là. Je me suis retournée. Ils étaient tout autour d'elle. Je pouvais même plus la voir à cause de tous les mordeurs. Mais depuis, je me demande ce que le scorpion aurait fait. Et j'essaie d'être courageuse. Quand vous la reverrez, vous pourriez lui dire qu'une de ses plus grandes fans lui dit coucou. Je le ferai. Pas de problème. Genre, ok, t'inquiète pas, là-bas tous les jours. Elle me casse les pouces des bonbons qu'autre chose. Alors... c'est par là. Eh ben ouais, c'est par là. Voilà. Donc... wow. Du sucre. Pas super propre. C'est pas grave. On fait une bombe. On sert pas le thé. Très bien, on a tout. Laisse-moi un peu de temps. Je te ferai signe quand ce sera prêt. Ok. Il faut attendre combien de temps? Parce que là, franchement, c'est un peu urgent quand même. Hein. Alors... j'en suis où, moi? Oh purée. Ça. Rendez-vous au hangar. Si tu veux. À protéger. Plante toxique. Bon. Oh, plein de trucs à faire, purée. Moi, je vais faire que ça, en fait, je pense. Découvrir. Je pense que plus j'avance, plus j'aurai des quêtes, parce que franchement, il y a quand même quelques-unes. Hein. Et puis, bon, ça, je dois rapporter. Ça, je dois attendre. Ça, je dois récolter la plante, la même chose. Rendez-vous en gare, ben, oui. Ouais, pour la térébenthine, mais pff, je trouve pas, ça m'énerve. Vraiment la nocturne, bon bah ça c'est dans la nuit. Vision tunnel, et projecteur. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? Bah, je suis pas loin de ça alors. Tant qu'à faire, on y va? Bon bah c'est tout droit. Hein. Y a rien, parfait. Évitons de se faire massacrer entre deux. Berk. Berk, berk, berk. Ah, c'est juste en dessous. Qu'est-ce que je peux faire pour redescendre? Ah bah. Et voilà. Ah merde.
Ras le bol, hein. Crane, ici Kurt. La bombe est prête. Viens voir. Ok, j'arrive. Ryan, c'est moi. J'ai ta cam, ouvre. Oh, merci. Ils allaient mettre le feu à la maison. Qui étaient ces gars? Des concurrents. Il n'y a plus de phényl nitrate à Arran. Alors ils voulaient récupérer ma dernière commande. Voici un bonus pour être revenu pour moi. Je crois que ça va être mon dernier lot. Content d'avoir fait affaire avec toi. Un bon conseil. Quand t'auras fait ton deal avec Rice, change d'endroit. Ne reste pas ici. T'inquiète, j'ai tout prévu d'avance. Je crois pas, non. Ah, ça c'est sûr, hein. Ben voilà, merci beaucoup. Ça c'est fait. Ça je pourrais faire à la limite plus tard. Est-ce que je vais revenir ou est-ce que je vais faire autre chose? Ouais. Ok. Et flûte, hein. Attends. C'est quoi ce truc? Un monteur plein, mais c'est combien? 144? 141? Ça vaut la peine. Alors, qu'est-ce que je peux foutre loin? Éventuellement pas zarder, c'est normal. Bah, tu fais combien toi? Oh, d'accord, rien dit. Bon. Même si c'est bien. Par contre, pour côté visé, regarde, là, c'était pas cool là. Inventaire plein, pourquoi pas. Let's go. Ah mais c'est pas vrai. Merde! Y'a le boomer qui est là. Non, non. Allez. Bien joué. Ok. Allez, saute. Ah, c'est pas vrai. Voilà, bonne journée. Le pauvre. Crane, c'est toi, Kyle Crane? Bah ouais. Ouais. Irvin Snowberg, réalisateur de films. C'est moi qui ai fait la série Zombie Isolation. Tu connais sûrement. Non. Non. Ce sont des sortes de méditations sur les gens comme toi. Les détails n'ont pas beaucoup d'importance. Le plus important, c'est les coûts de production. Le maquillage coûte cher. La putréfaction. Et puis, quand on les fait exploser avec des armes, c'est pas donné non plus. C'est pour ça que tu es Arran. C'est une tragédie, bien entendu. Mais il y a une vraie fortune en effets spéciaux dans les rues. Des zombies prêts à se faire exploser la tête pour mon prochain film. Zombie Isolation 4, déjeuner mortel. Tout ce qu'il me faut, c'est un pro des armes à feu qui peut les dégommer en moins de 2. Et j'ai cru comprendre que tu ferais parfaitement l'affaire.
Non, merci. Défi. Non. Non. T'as une bombe pour moi? J'ai un prototype. Il est sur la table, prêt à être testé. Il y a un tunnel barricadé près d'ici. Il est plein de rapaces en journée, mais... il devrait être tranquille à la nuit tombée. Tu trouveras pas meilleur endroit pour tester cette bombe. Ok, je vais essayer le tunnel et je te dirai comment ça s'est passé. Ah, encore une chose. Oublie pas les pétards. La bombe se déclenchera dès qu'ils auront tous pété. C'est tout le temps que t'auras pour foutre le camp de là. Bonne chance. Ah, super. Oh là là. La théorie du Big Bang, bah on y va. Pourquoi moi? Madonna mia. Bah ça va. Maman. Oh, salut. Les carapuces, et puis là il y a des super. Oh, génial. J'ai quand même tué un rapace, c'est pas rien. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tué. La vache. Je vais peut-être faire autre chose avant parce que franchement je la sens pas celle-là. Hein. De toute façon là maintenant il fait jour donc c'est pas une bonne idée non plus. Lançons. Carte. Je peux enlever ce truc. Bon. J'aime bien aller à la tour là, franchement. C'est pas que j'ai peur. C'est absolument pas ça. Mais il y a toujours un mais. Mais je suis pas très à l'aise. Donc du coup, je vais aller à la tour. C'est chaud. C'est pas les filles. Ouais.
Oh merde. Ah, génial. Bon, je me casse. Oh, voilà, voilà. Bon. Je vais aller à la tour, d'accord? Quelle heure il est? 15h. Oh, c'est bientôt alors la nuit, hein. Je vais essayer de le faire, mais là pour l'instant c'est difficile. Voilà, je suis positionné. J'attends plus que la fin du monde. Non, sérieux. Je suis là et puis en dessous de moi il y a des copains qui se promènent qu'on pouvait voir sur la mini-carte. Et puis du coup, ben voilà, j'attends avec impatience que, ben, que ça se passe. Ah, j'ai tout prévu, hein. L'inventaire, les pétards, cocktail molotov, fusée, torche V. Y a pas de problème, hein. Je suis pas de... voilà, quand même. Là, j'ai un... j'ai une bagnole ici. Ou 200 par là, c'est égal. Ça n'a pas d'importance. Ben voilà, il me reste plus qu'à attendre que ben, le soleil se couche. S'il veut bien. Et après, ben, on va essayer. Je vais refilmer quand ça va être le cas. A tout de suite. Je vais quand même vous prévenir que je vais faire toutes les quêtes et j'aimerais vraiment faire toutes les tous les trophées parce que il y en a, bon, il y a certains qui sont je pourrais pas faire parce que c'est en coop ou en ligne, c'est égal. Du coup, il y en a un trophée que je trouve vraiment bizarre. C'est le plombier italien. Alors franchement, écoutez-moi ça. Tuer un ennemi avec une clé, en plaçant une voltige suivie d'une attaque en piqué. Mais nom de Dieu, j'aimerais juste dire un truc. Comme un Saiyan qui a dit un autre Saiyan. Je te préviens, je suis pas une ballerine. Donc là, franchement, non. Si j'arriverai à le faire, je vais le faire, mais là, franchement, non. J'ai réussi à faire maintenant, à modifier cette arme, à un sabre. Puis c'était l'épée de Gabriel, le trophée. Donc c'est cool. Donc j'ai pas fait exprès en fait. Donc du coup c'est cool, ben j'attends. Je suis angoissée, c'est pour ça que je parle beaucoup. Ça me saoule. Il faut juste que... comment dire? Il faut pas qu'il y a trop de people autour du tunnel parce que j'arriverai pas à rentrer et puis... Après de juste mettre la bombe dedans. Puis voilà. Encore une fois, c'est une quête de nuit. Par la suite, ce que je vais faire, c'est... elle va attendre un petit peu, Jade, hein, c'est pas problème. Après, si j'arrive à faire cette quête... attendez, juste enlever ça, parce que franchement, ça me sert à rien. Voilà, alors si j'arrive à faire ça, je vais récupérer les herbes de mariée nocturne. Et ensuite, je vais aller jusqu'au Bonplice-les-Bains. Ah, Bonplice, bref. ceux qui ne connaissent pas Bonplice, ça veut dire très très loin, hein, si jamais. Et puis, mais c'est... ouais. Il faut habiter en Suisse pour comprendre la chose. Bref. Et puis, du coup, il y a aussi une quête à faire. Je crois que c'est ça. Ouais. Récupérer toutes les ampoules encore fonctionnelles sur, donc, sur le pont de la famille. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais je vais le faire. Par contre, si j'arriverai, comme la nuit passe super vite comme la journée, est-ce que j'arriverai depuis là à passer jusqu'à là, jusqu'à là même, voilà. Ouais. En une nuit, quoi. Est-ce que j'arriverai ou pas, en plus en sachant qu'il y a, plein de copains, plein de carapuces qui se promènent. Ouais, parce que j'arrive, ouais, les carapaces, je sais pas comment ils s'appellent ces machins. Je m'en fous un peu. Moi, c'est des carapuces. Puis voilà, on fout. Bof, voilà quoi. J'attends avec impatience.
Ils sont impatients de sortir. Je comprends. Mais... j'ai pas trop hâte non plus, hein. Je vous jure, j'ai pas hâte. J'espère qu'ils vont foutre le camp tous de tunnel. Allez. Stress. Moi quand même bien, hein. Bah là-bas, je pourrais toujours me réfugier au cas où. C'est parti. Ouais bah. Génial. Alors, comment je vais faire en sortir de la merde? Ils sortent pas du tout, en fait, c'est con! Ah merde! Marche. Alors si c'est pas comme ça, bah ça me sort autrement. Je vais les faire sortir de là. Je sais pas comment, mais... Oh non, de vieux. Oh merde. Ah, ils sont des miens. Oh mon dieu. Et voilà, je suis morte. Je sais pas du tout comment le faire en fait. Eh ben, c'était pas une réussite, hein. Loin de là. Ok. Ça, c'est pas cool. Comment je pourrais faire pour... Oh là là. Mmh.
Oh là là. Je suis monté par là, bien pas. La dernière. Ah, c'est pas vrai. Wow. Bon, ben j'ai pas réussi à le faire. J'arriverai mieux en... Mais je pourrais faire ce que je pourrais faire, c'est de vider le tunnel en journée, puis quand il fait nuit, ben voilà, voilà. Hein. C'est chaud, mais... Je peux essayer. On va faire tout le détour, eh merde. Bon, maintenant il fait jour, ça va. Ça c'est le matin quoi.
Sans déconner. Ok. Bah alors. Merci. Cet animal aurait fini par me tuer. Quel animal? Lequel? Ah, je suis quand même déçu. Vraiment déçu. Bah écoutez. L'arc. Shuriken... Ah, quand même, 102. Arf. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Ah là là. Ça, je pourrais éviter la limite, comme j'ai dit avant. Le tunnel en plein jour, puis bah, quand ça arrive la nuit, bah voilà quoi. C'est franchement possible. Et voilà. Il y en a encore un. Faut que je vise bien. Merde. Bien. Bien, 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 bien. Il est mort? Non. Il est mort! Ah, j'y crois pas. Hein? 5, 4, 3, 2, 1. Je suis là, Crane. Mais pendant la nuit, bon, non? Ça marche pas. Ça marche pas? Ah, bizarre. Bon, tu vas opérer à la volée, ça devrait le faire. D'abord, ouvre le contenant en faisant une incision juste en dessous de la cosse négative. Tu plaisantes. Écarte les deux côtés le long de ta ligne d'incision pour trouver le câblage du détonateur. Maintenant, vérifie la soudure sur les deux fils verts et sur les trois fils rouges. Je parie que c'est le vert. Je picolais en les montant. C'est vrai que maintenant, je me dis que c'était un peu irresponsable. Ah, maman. Je me casse. Ça a marché. Non, 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 mais c'est pas vrai. Décla, ça a fait sauter le nid et la barricade. On peut emprunter le tunnel maintenant. Hey, tout ce que je fabrique, ça explose. Viens voir, et je te donnerai le plan. Ah. Ah. Pff, en fait, elle peut même pas faire ça dans le nid, quoi. Oh, mais c'est connerie, quoi. Oh. Je suis morte pour rien, sérieux. Allez.
Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, je vais aller voir le... le gaillard pour qu'il me donne la récompense et le plan, et puis après, ben, je continue. Ciao, ciao. Soirée.